Plusieurs mois se sont écoulés depuis le départ de Rudy. La villa était devenue trop grande pour nous quatre. On a donc décidé de changer de maison, de tout refaire de A à Z. Pour VLV, le succès était au rendez-vous. C'est presque devenu une star. Comme à son habitude, Fab est le plus discret d'entre nous. Mais il grimpe les échelons dans la boîte où il travaille. Et il sort de plus en plus seul. Aurait-il quelqu'un en vue ? Jean, il nous a fait trop rire. La fille qui l'a ramenée un soir, c'était une mineure. On le sait car 3 jours après, je l'ai vue sortir du lycée avec ses copines. Alors, je me suis pas gênée pour me moquer de lui. Bon, à sa décharge, elle ne fait pas son âge. D'ailleurs, si j'ai vu cette fille devant un lycée, c'est que j'ai obtenu le poste de professeur dans un lycée privé. Je continue quand même à faire des extras au bar, mais j'adore enseigner. Après quelques mois, nous avons décidé de partir en camping, histoire de prendre quelques vacances et de souffler un peu, parce que ça fait maintenant 1 an qu'on vit ensemble. Pour ma part, c'était les vacances scolaires. Jean a un emploi du temps assez flexible et VLV travaille de n'importe où. Pêche, grillade, musique autour du feu. Ça a été un merveilleux séjour. On a même décidé de donner un surnom à notre groupe d'amis, les Thugs Brisés. Tout simplement parce qu'on est le contraire d'un thug et qu'on est légèrement con. Fab n'était resté que 2 jours au camping et était resté très mystérieux quant à la raison de son départ avancé. Je commence vraiment à être très intriguée par son mystère. Qu'est-ce qu'il nous cache ?